Le voici, le beau First Eleven qui débute donc au ras de la Barrelière. Cheval qui a poursuivi une très belle carrière chez John Gosden sous les couleurs de Khalid Abdullah en Angleterre. Il a gagné, comme vous le voyez, si les gros handicaps qui sont souvent d'un niveau groupe. Par exemple, il battait ici Berkshire Royal, qui est un cheval qui a fait l'arrivée de groupe 1, il me semble. C'est un fils du légendaire Frankel, le meilleur cheval de tous les temps, qui pour la première fois cette année a mis fin au règne de Galiléo au classement des étalons européens. C'est le meilleur étalon actuel en Europe, Frankel, qui fait des gagnants de groupe 1 quasiment tous les mois, voire toutes les semaines. C'est exceptionnel. Et côté maternel pour First Eleven, nous ne sommes pas en reste puisque sa mère Zenda est une gagnante classique de la poule d'essai des pouliches et a surtout produit Kingman, voisin de boxe de Frankel, lui-même champion en piste et lui-même un étalon tout à fait remarquable. First Eleven, il a couru à 2 ans, il a couru à 3 ans, il a gagné ses gros handicaps où il faut être très dur. Vous le voyez déjà, un sublime cheval qui est la parfaite combinaison physique finalement entre Frankel et Kingman. Hein, la puissance de Frankel et l'élégance de Kingman, regardez-le, il est vraiment très beau. Et donc il va débuter cette année au ras de la Barrelière, ce fils de Frankel, un des rares fils de Frankel en France, il n'y en a que deux. Et en plus, vous les verrez les deux aujourd'hui, extraordinaire. Il sera proposé à 3 500 €, ce First Eleven, frère de Kingman par Frankel, l'un des meilleurs pédigrés que l'on puisse trouver au monde.